Allez, on est parti. Bonjour et bienvenue dans Demix Weekend pour cette 8e émission. Et... Déjà. Et oui, déjà, ça va vite d'une semaine sur l'autre. En tout cas, on est ravis de la démarrer et on va tout de suite, lancer, voilà, de la musique. Oh, Demix Weekend, Yes Weekend, Virginie Egwen, NC Première 2015. Aujourd'hui, Virginie m'a lancé un défi. Faudrait rapper l'intro de l'émission radio. Poser des mots sur le flow sans faire l'idiot. Présenter les invités et le déroulé de la matinée. Cette semaine, quelle aubaine, c'est Alexia Dugène qui présente la quinzaine du hip-hop. Et qui est accompagne la fille, je te le donne en mille. C'est B-Boy, Emile Chaillé qui ne saurait tarder à arriver, bien sûr. Aujourd'hui, je me suis pris les pieds dans le tapis. Au moins, j'ai réussi à trouver. Crapper, c'est un métier. Spécial casse dédié à tous les MC de Nouvelle-Calédonie. Mon poteau Astro, Siman, Kidam, Chavi, Kubi, Valdel, Tetris, Ibalkan. Gigi Sam, fais-moi taire ce bouffon, coupe-moi le son. Merci, quelle intro, super. N'importe quoi. Et hey, tu me refais plus ça, Virginie. C'est la première fois que je rappe en direct. Valdel, t'as pas de soucis à te faire. Hein. Chavi aussi, t'es tranquille. Hein. C'est bon, quoi. Ok. Et moi, je voulais dire que Yo Gwen est dans la place. Et donc, tout baigne. Bonjour, Alexia Dugène. On est ravis de vous recevoir. Donc, on est super contents. Pour cette quinzaine, voilà, le défi était lancé et Gwen l'a relevé. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, ça break, ça danse debout, ça new styles aujourd'hui dans Demix. Ah ben, Alexia tourne sur la tête, sur la table dans le studio, là déjà, là, hein, c'est la quinzaine du hip-hop. Hein. Plus sérieusement, Alexia Dugène, vous êtes chargée d'action culturelle en éducation artistique et en direction des publics spécifiques à la direction de la culture de la province sud, tout ça. Vous étiez déjà sensibilisée un petit peu aux cultures urbaines avant de vous retrouver de ce dossier-là. Ça, souvent, on me la pose comme question parce que je dois pas avoir la tête de l'emploi, donc... Mais c'est effectivement, t'as pas forcément, tu te balades jamais avec une casquette sur le côté, tu dis pas yo, j'essaye de checker le matin, tu sais pas checker. Je t'ai dit on check plus. On check plus, ok. Tu me dis ça, on check plus, ok. C'est tout de suite la pause café, jingle. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Alexia. Happy birthday to you. Soufflez vite parce qu'on n'a pas le droit de mettre du feu dans le studio. Donc voilà, c'était bravo, Alexia. Nous sommes dans la Minute Geek et nous accueillons aujourd'hui pour, c'est une première, un gamer. Et c'est Ash, bienvenue. Bonjour. Bienvenue, Ash. Et moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Clash of Clans aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut développer un village. D'accord. Construire des unités et puis attaquer d'autres joueurs. On estime à l'heure actuelle qu'il y a 200 millions de personnes qui jouent à ce jeu dans le monde. Quoi. Dans notre clan, il y a un gars qui tient, deux, trois gars qui tiennent des magasins en ville, un qui tient un resto, il y a un avocat, il y a moi qui suis... Voilà. C'est marrant, quoi. Sociologiquement, c'est assez mélangé et puis on s'amuse bien, quoi. On s'amuse bien ensemble autour de ce truc-là. Bienvenue donc dans Demix et bienvenue Charlotte. Demix Weekend. Yes, Weekend. Ouais, gros. Bonjour. Ouais, c'est... gros, comment il parle, là. Ça va bien, mais tu n'es... Et c'est donc plutôt une bonne chose que cette semaine, je n'ai pas fait grand chose de culturel. Non pas que je n'ai pas voulu, mais que je n'ai pas vraiment eu le temps, ma pauvre Georgette. Alors j'ai bien glané quelques petits trucs ici ou là, comme la dernière chanson de Mika qui va devenir le nouvel hymne des jeunes filles plaquées comme des vieilles chaussettes et qui veulent simplement inonder leurs couettes et maudire la terre entière. J'ai aussi fait de l'art avec mes petites mains et un tournevis en montant et en décorant une coiffeuse. Le meuble, pas la professionnelle des cheveux soyeux. Mais dans l'ensemble, je l'avoue, j'ai plutôt fait mon inculturé cette semaine. Donc voilà. Mais promis, la semaine prochaine, je reviens avec plein de choses. Je vais aller au cinéma, je vais vous raconter plein de choses. Ah, super, on va savoir enfin comment se termine Cendrillon. Alors là, jamais, j'ai hâte. Ça se termine bien pour la chaussure, on va dire ça. Ben, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de quinzaine, un bon dimanche et une bonne photo. Et nous, on se retrouve samedi prochain. Moi, je vous retrouve mercredi, mais avec Gwen, on se retrouve samedi prochain pour la prochaine émission d'un Demix. Oui, t'es obligé de venir. Okay.